Ils étaient une vingtaine d'élèves saint-quentinois à s'initier au BMX ce mercredi 26 janvier. Des ateliers ont pris place au Stadium Olympique de BMX implanté au Vélodrome National à Montigny-le-Bretonneux. Les athlètes en herbe ont pu découvrir cette discipline olympique. C'est une activité qui est peu connue, mais qu'on a la chance d'avoir vraiment à proximité sur notre territoire. C'est une activité nouvelle à sensations fortes que les élèves aiment beaucoup. Donc c'est génial pour eux de pouvoir l'expérimenter aujourd'hui. Des ateliers qui s'inscrivent dans le cadre de la semaine olympique et paralympique. Objectif, faire découvrir aux élèves de Saint-Quentin-en-Yvelines les sites olympiques. L'initiation s'est déroulée en trois temps. Il y a une partie prise en main sur le plat avec des petits exercices d'équilibre. Ensuite, on fait une partie sur une petite ligne pump track pour qu'ils apprennent à passer les bosses. Et en troisième partie de séance, donc sur la fin de l'heure, ils vont sur la piste, la vraie piste de BMX. Donc on commence par les bosses sur la dernière ligne droite parce que c'est les plus petites bosses de la piste. Ensuite, en général, on fait troisième et quatrième ligne et on finit par un tour complet de piste. Des ateliers encadrés par Romain Racine, l'athlète est arrivé deuxième en dernière Coupe du Monde de BMX en élite. C'est un plaisir de pouvoir partager mon expérience avec eux et également avec les jeunes de l'AS qui encadrent eux aussi. Et du coup, au final, c'est des jeunes qu'on encadre, enfin moi-même que j'encadre au cours de l'année. Du coup, ça me permet de tout simplement pouvoir encadrer les sessions avec eux et de leur montrer comment encadrer aussi à un autre public. Prochain événement, vendredi 28 janvier, au programme, une randonnée pour découvrir la colline d'Elancourt.